Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction trouve. Ici, dans A1, j'ai mis du texte. Et comme j'ai marqué ici, je souhaite connaître, par exemple, la position du premier F dans ce texte. Donc, pour cela, je vais mettre égal pour passer en mode calcul fonction. Utiliser la fonction trouve, qui est ici. Je double-clique dessus. Voilà, je fais fx. Et vous voyez qu'il y a le texte cherché. Par exemple, je vais mettre F majuscule. Le texte où il se trouve bien dans A1. Et pour l'instant, numéro de départ, je ne mets rien, ce qui est facultatif. Je fais OK. Et vous voyez qu'il m'a trouvé que la position du F, donc le premier F majuscule, ici, est bien en position 1. Maintenant, je souhaite connaître la position de F, mais en minuscule. Donc celui qui est ici. Donc pareil, je me mets dans la cellule, je mets égal pour passer en mode calcul fonction, et je vais utiliser toujours ma fonction trouve. Un petit coup de fx, voilà, le texte cherché est f en minuscule, et il doit aller chercher toujours dans A1. Et vous voyez déjà le résultat 13. Voilà, donc si je regarde et que je commence à calculer, donc je suis à 0, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exact, il a bien trouvé la bonne position. Maintenant, je souhaite connaître la position du premier F, mais en commençant par exemple à partir du troisième caractère pour éviter d'avoir bah justement qu'il me trouve le F de François. J'aimerais trouver à quelle place se trouve le F de Fanfan. Donc pour cela, je vais mettre toujours égal trouve. Je double-clique dessus. J'utilise la fonction fx. Le texte cherché, donc c'est toujours un F majuscule. Le texte, il s'agit toujours d'aller chercher dans A1. Mais par contre, pour éviter le F de François, je vais mettre 3. Il va partir à partir de la troisième lettre. Et vous voyez qu'il a trouvé 10. Je fais OK. Et on va aller voir ici si c'est bon. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est exactement ça. Donc, on voit ici qu'on peut rechercher la position d'un caractère, d'un chiffre, donc dans des données, sans aucun souci. Attention, par contre, il est sensible à la casse. Donc, il est sensible entre le F majuscule et le F minuscule, vu que après on a fait justement une recherche sur un F minuscule, et vous voyez qu'il a trouvé le deuxième F de Fanfan qui est en minuscule et il n'a pas trouvé le F de François ni le F de Fanfan. Et en dernier, donc j'ai la possibilité pour éviter d'avoir justement comme ici, comme j'ai une répétition de F qui me donne toujours le F de François qui est en premier, je peux partir à partir de du troisième caractère par exemple afin de sauter le F de François et dans ce cas-là, il me donnera le F de Fanfan qui était en dixième position. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur la fonction trouve et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.